Castel, c'est quoi le problème ? Castel réalise chaque année des centaines de millions d'euros de bénéfices en produisant, entre autres, des millions d'hectolitres de bière en Afrique. Le problème, c'est que le groupe s'appuie sur une fiscalité opaque pour éviter de payer ses impôts dans les pays africains où il produit ses boissons. Un manque à gagner énorme pour ces États. Castel, c'est un groupe industriel français. C'est le premier négociant de vin en France et le troisième au niveau mondial. En France, vous le connaissez sûrement à travers ses marques de vin, Baron de l'Estaque ou Roche-Mazet. Sur le continent africain, Castel est omniprésent quand il s'agit de la consommation de bière avec Castel Beer, Flag, Bock ou Skol et sa marque de soda Top. Aujourd'hui, l'Afrique assure au groupe Castel 80% de son chiffre d'affaires annuel. Le groupe Castel, c'est une histoire de famille. La multinationale est dirigée depuis 60 ans par Pierre Castel, aujourd'hui âgé de 94 ans. La direction exécutive de cet empire lui revient et une trentaine de membres de sa famille dirigent les filiales du groupe. Pierre Castel, c'est la 10e fortune de France. L'homme est connu pour être l'un des plus riches exilés fiscaux français vivant en Suisse, ce qui ne l'empêche pas d'entretenir d'étroites relations avec les plus hautes autorités françaises. Lorsque les présidents français se déplacent sur le continent africain, Pierre Castel est souvent du voyage. L'Empire Castel, c'est l'héritage d'une histoire coloniale. En 1945, Pierre Castel s'implante dans plusieurs pays d'Afrique en se lançant dans le business du vin. En 1967, il rencontre Omar Bongo, le président gabonais, qui souhaite développer l'activité brassicole au Gabon. C'est dans ce pays qu'il ouvre sa première brasserie, première pierre d'un empire qui ne cessera de s'étendre. En 1990, il reprend l'entreprise Brasserie et Glacières Internationales, BGI, qui lui ouvre les portes du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Sénégal. Pierre Castel négocie directement avec les pouvoirs en place une manière efficace d'éliminer la concurrence. Son empire s'étend au gré des privatisations et des rachats sur la presque totalité du précaré France-Africain. Pour maintenir cette position de quasi-monopole dans plus de 15 pays, Pierre Castel cultive notamment ses amitiés avec des dictateurs africains comme Omar Bongo au Gabon et Yadema au Togo, Blaise Compaoré au Burkina Faso ou encore José dos Santos en Angola. En 2012, le président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, décore trois patrons français pour services rendus à la nation. Pierre Castel est de cela, aux côtés de Martin Bouygues et de Vincent Bolloré. Mais le problème avec Castel, c'est aussi que son empire brassicole africain est coutumier des pratiques d'évasion fiscale. Alors accrochez-vous, c'est un peu complexe. Le siège des brasseries et glacières internationales est officiellement à Paris comme celui de la branche vin du groupe. Mais en réalité, elles sont la propriété d'une société, Copagef, qui appartient elle-même à une holding basée au Luxembourg. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette holding est elle-même détenue par une autre holding, longtemps domiciliée à Gibraltar, qui est elle-même la propriété d'un fonds d'investissement, IBB Fund, domicilié à Singapour. Et ouais. Au total, le groupe Castel a plus d'une vingtaine de sociétés et de holdings immatriculées dans des paradis fiscaux à Gibraltar, au Luxembourg, à Singapour, mais aussi en Suisse, sur l'île Maurice ou jusqu'à récemment aux îles Vierges britanniques. C'est par ces montages financiers que le groupe Castel optimise ses profits, en profitant des avantages propres à chaque place offshore. Par exemple, pour approvisionner ses brasseries en Afrique, Castel passe par des centrales d'achat offshore qui sont en fait des intermédiaires entre les fournisseurs et les autres sociétés du groupe. Ces centrales d'achat négocient des rabais sur le prix des matières premières et font payer aux fournisseurs des droits de référencement élevés. Puis, elles revendent les marchandises avec une commission aux usines du groupe. La marge ainsi réalisée par la société offshore réduit d'autant les bénéfices, et donc les impôts à payer, des filiales dans les pays africains. Ainsi, Global Export, une de ses centrales d'achat offshore,
réalise chaque année des dizaines de millions d'euros de profits, presque 100 millions de bénéfices nets en 2017, sans payer d'impôts puisqu'elle est domiciliée à Gibraltar. En définitive, cette superposition de montage élaborée par le groupe Castel permet de capter un maximum d'argent tout en privant les États africains et ceux du Nord, donc des collectivités entières, de ressources nécessaires au financement de leurs services publics. Informons-nous et mobilisons-nous.